Alors ça cause, ça cause, et le Patrick le marié, le rat de Maguette, qui cause tout le temps. Et alors, ah bah tiens, on t'avait pas prévenu mon Patrick, ah non. Félicité par André Pommeret, par voilà, les vétérinaires, les écrivains, etc. Mon Patrick, t'as vendu 87 000 euros tout à l'heure, rappelle-moi le numéro. Oui, 219. Le 219, très belle vente pour le rat de Maguette quand même, raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? C'est très bien. Quand qu'est-ce que tu vas faire de tes sous? Eh bien, malheureusement, c'est vite dépensé parce que tu vois, j'étais avec les gens de chez Reverdy et quand on achète l'aliment, ça coûte cher, donc il faut bien pouvoir le payer. D'accord. Donc le 219, raconte-nous son histoire. Hello Yumzen, Tozen Shona, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Non, l'histoire, elle est simple, elle est jolie. Le premier produit de cette jument-là que j'avais présenté ici, je l'ai vendu pour Altani. Il l'a acheté, le poulain est chez Graffard, que j'ai rencontré tout à l'heure. Apparemment, il est très, très content du poulain. Wotchona, là, le Wooded, oui. Tout à fait, qui avait débuté ici dans une bonne course de 2 ans, où il est 3e. Il l'a mis un peu au repos, et là, il l'a repris, il va recourir en novembre. Et il m'a dit que ce poulain-là me ferait très plaisir. Bon, tant mieux, j'espère. Ouais. Et j'espère que le deuxième fera la même chose. Qui l'a acheté? Celui-ci, c'est Lefebvre qui l'a acheté. A priori, il va partir en Irlande pour revenir ici pour les brise-up, a priori. Ah, Nicolas Lefebvre qui l'a acheté pour, comment, Rodrigue Cavana, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas pour qui il l'a acheté, mais c'est lui qui l'a acheté toujours, c'est clair. Donc, non, très beau poulain. On n'a même pas eu besoin de mettre beaucoup d'enchères. C'est monté tout seul, donc c'est très bien. Mais on pensait qu'on l'aurait peut-être vendu un petit peu plus cher. Mais bon, c'est jamais assez, on le sait bien. Merci Patrick, à bientôt. Bravo Patrick.